Ce mercredi, une opération policière menée par la zone de police Namur Capitale Service Enquête Recherche, le groupe d'intervention spéciale, police secours et le service proximité. Et avec l'appui d'un maître-chien de la police fédérale, a conduit à l'interpellation de 5 personnes, 4 majeurs et un mineur, sur le territoire de Namur. C'est après plusieurs semaines d'une enquête sur un trafic de drogue, notamment de cocaïne, que cette opération a eu lieu. Plusieurs perquisitions ont été effectuées et ont mené à la saisie de plus de 330 grammes de cocaïne, 24 grammes de cannabis et d'une somme de plus de 13 000 euros. Sur les 4 personnes majeures interpellées, 3 d'entre elles ont été déférées chez un juge d'instruction qui les a placées sous mandat d'arrêt. La personne mineure a, quant à elle, été déférée chez un juge de la jeunesse et a été placée en centre ouvert. Les suites d'enquête devront déterminer les liens éventuels avec d'autres dossiers en cours. Le Namurois met un point d'honneur à lutter contre le trafic de stupéfiants sur le territoire, des réseaux aux petites mains qui opèrent sur la voie publique mais également les personnes responsables de leur approvisionnement.